Salut à tous, c'est Benoît. Alors là, je vais pas faire une vidéo guidance, c'est juste en fait pour faire un petit rappel concernant du coup les quelques imitations de début de tirage. Mon but n'est absolument pas de blesser des personnes. Mon but n'est absolument pas, comme certains ont pu dire, de récupérer des vues ou quoi que ce soit. C'est pas malveillant, c'est de l'humour en fait. Je suis comme ça dans la vie, donc là vous ne me connaissez pas, mais je suis comme ça dans la vie. Je suis quelqu'un qui aime au boulot, je me fous de la gueule de mes collègues toute la journée, je les imite, j'imite tout le monde, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas fait méchamment, et en plus je le dis. Les personnes dont je me suis inspiré pour imiter sont généralement des personnes dont je regarde les vidéos. Alors, Brigitte Crespo, je suis désolé si vous le prenez mal, mais ça s'appelle de la parodie. Ça s'appelle c'est parodier en fait des choses qui moi m'ont fait rire quand je regardais vos vidéos. Maintenant, si vous le prenez mal, je m'en excuse puisque mon but n'est pas de vous blesser, mais que chacun puisse garder aussi un minimum de second degré. Maintenant, si vous désirez aussi vous foutre de ma gueule, faites-le. Je serai le premier à en rire. Quand on dit, ouais, t'as une coupe à la Charlie Ingalls. Mais oui, j'ai une coiffure à la Charlie Ingalls. Mais on peut, en fait, je suis désolé, là c'est un autre sujet différent, mais je pense qu'on peut rire de tout. Du moment que ce n'est pas fait avec une intention de blesser ou de faire de la peine, et ce qui n'était pas mon intention. Pour Sylvia, c'est différent. Autant Brigitte Crespo, je suis désolé, mais vos vidéos ne me parlent pas forcément toujours, et je n'ai pas dénigré votre travail. Pour Sylvia, je regarde en plus ses vidéos, et Delphine aussi. C'est vraiment pas fait méchamment. Je l'ai fait de la même manière que j'aurais voulu imiter quelqu'un que je connais dans la vie. Ou... Je suis comme ça tout le temps. Ouais, tout le temps. Mes amis me le disent, et c'est ma personnalité. Donc maintenant, si aujourd'hui ma personnalité ne plaît pas, je ferai attention en ce qui concerne les imitations, mais ne m'enlevez pas mon humour, s'il vous plaît. Mon but n'était pas de vous blesser, je m'en excuse. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Voilà, pour ceux qui pensent que... Bah pour ceux, en fait, non, pour ceux qui pensent du mauvais, tant pis. Moi, personnellement, vous ne m'atteindrez pas. Je sais ce que je vaux. De plus, j'ai déjà eu un ou deux commentaires. La première fois que j'avais légèrement imité Sylvia ou quelqu'un l'avait critiqué, j'ai repris. J'ai repris en disant je ne critique absolument pas, au contraire, je suis son travail. Je regarde pas plus tard que lundi, elle a posté une vidéo concernant les vierges, concernant les poissons. De 40-46 minutes, bah je les écoute en entière parce que ça me parle maintenant. C'est de la parodie. C'est de la parodie et peut-être même qu'un jour je vous proposerai de la parodie de moi-même. Voilà, c'était tout, je voulais juste rectifier et mea culpa.